J'ai très, très bien joué. Il y a une journée que j'ai poté, j'ai assez bien poté. J'ai manqué deux coups de départ qui m'ont coûté quatre coups. C'est une balle perdue, une balle en dessous d'un arbre. Et le reste, là, mon tempo était. J'ai contrôlé mon tempo tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme j'ai dit, j'ai très bien joué en général. Juste le potting qui était ordinaire. Tiens encore avec un bogey au 1. Après ça, j'ai un oiselet au 2. J'ai fait un oiselet au 6 et au 8. Et j'ai malheureusement 3 potés le 9. C'est à peu près 10 pieds, j'ai 3 potés. Sur le deuxième 9, c'est tout de normal, sauf au 16. Là aussi, j'ai eu des bonnes chances d'oiselet, mais je ne les ai pas faites. J'ai pas 7 pieds, je ne faisais pas les potes. J'ai fait un bogey au 16. Mais j'ai pas manqué de coups vraiment. Au 16 un peu, mais les autres, là, j'étais tout le temps. Mes coups de départ étaient tout le temps bons. Même au 18, là, je me demandais comment j'étais pour réagir, mais j'ai frappé un très bon coup de départ. J'étais à 104 mètres de la piste de drapeau. J'étais très satisfait. Disons que mes émotions étaient très, très élevées, je disais enfin, parce que j'ai compté l'anecdote qu'à 85 que j'avais gaffé. Je pense que quand j'ai vu les gens, je pense que si je le faisais, je gagnais. Il n'y avait pas annoncé rien. On ne savait pas les autres scores, là, les autres pointages. Mais quand ils ont applaudi, j'ai dit « OK, ça c'est fait ». Là, je peux me désaler un peu.